mes chers compatriotes. Et Zabino, la voix de Kivu, la voix de sans voix. Et l'autre, vous allez le 4 janvier 2023. Tout dans les Yane. Bande konangai, banamboka. Message à l'élo. Naza vraiment na Miami, Suzo Tanga. Donc, et le Kumoko, Congolais, Nyoswa, qui peut comprendre en côté. Tout ce qui se passe dans notre province du Nord Kivu, avec la complicité de M. Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo et son homologue et ses homologues du Kenya, Rwanda et Ouganda, vraiment Tolembi, Tolembi. Alors, vous, nos militaires, nos FARDC, je sais que nous avons fait des marches. Tout ça, qui va marcher bien pour accompagner Bino. Mais malheureusement, tout le monde est bien pour vous avoir. Pourquoi dans le Biboué? Mbokezo kende. Bazo kosa bino. Mbokezo tala kakaboui. Bande konangai, je sais que je suis parmi les gens. Émission Oyo la voix de qui vous avez émission Oyo Zalakana pour na mobiliser bato. Pour na sensibiliser bato. Pour na soutenir FARDC. Mais trop c'est trop. Félix Tshisekedi, avec ses aventuriers, ses frères aventuriers qui l'entourent, ils nous ont menti que non, ils nous ont amené des avions, des chasses à Kinshasa pour combattre les musulmans. Quoi? Mes chers frères, nous sommes tellement décis. Décis. J'appelle toute la population de la République du Congo sans distinction aucune de ne plus soutenir Tshisekedi parce que c'est un grand farceur dans cette république. Un grand farceur. Nous n'avons jamais vu un président farceur comme ce monsieur. Depuis qu'il nous avait dit que non, il est tenté d'améliorer l'armée. Et puis, il nous manque que non, il y a des trahisons. Même à l'époque de Mamadou Ndara, il y avait des trahisons. Même à l'époque de Jésus. Jésus lui-même, il a été trahi par ses frères. Dont Judas était parmi les frères de Jésus-Christ. On ne savait pas qui c'était, un président incompétent, un idiot vraiment. Un idiot. Aujourd'hui, mes frères, Nyamilima vient de tomber entre les mains des terroristes alliés de M. Félix Tshisekedi. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Et si vous savez que vous êtes un adepte de Tshisekedi, laisse-nous libres de s'exprimer, mon frère. Si chez vous, vous êtes libres, chez nous, nous ne sommes pas libres. Nous mourons. Nous perdons nos histoires. Parce que trop, c'est trop. Nous avions utilisé tous les termes de la cohésion nationale. Mais vous n'avez pas voulu à comprendre les autres. Alors, vous nous prenez comme des idiots ou quoi? Nous ne sommes pas vos idiots. Nous ne sommes pas vos femmes. Nyamilima vient de tomber entre les mains des terroristes agresseurs Rwando-Ougando, soi-disant M23. Alors, vous venez de créer une zone tampon dans notre république. Alors, la même zone, vous l'avez créée pour nous distraire, pour que ces gens aillent récupérer Nyamilima dans le territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, vous êtes en train de programmer comment faire tomber Masisi. Tout ça, c'est pour retarder l'élection. Soi-disant les élections. Si vous voulez voler vos élections, si vous voulez vos 6 ans, laisse-nous libres. Laisse-nous la population libre. Nous avons besoin d'une paix durable. Et nous n'avons pas besoin de vos mandats là-bas. Si vous allez s'entretuer à Kinshasa avec les poisons et d'autres histoires, ça serait plus mieux que de nous déranger, M. Tshisekedi. Nous avons tout fait. M. Samalou Konde, on n'en parle pas. Au gouvernement, au Congo, le gouvernement n'existe plus. Tout ce qu'on fait, c'est par la grâce du président de la République, chef de l'État, commandant suprême. Vous n'êtes pas commandant suprême, idiot. Nous mourons. Nous souffrons. Jusqu'à quand? Tout ce que vous avez dit à l'époque des campagnes, toi et votre farceur aussi, un grand voleur, M. Vital Kamerhe.
où sommes-nous? Nous sommes tellement très fatigués. Et si vous savez que vous êtes membre de ces messieurs-là, ne me donne donc ne commente ne me, donc je ne sais pas, donc vous êtes aussi dans le même panier avec ces gens-là, au terme que j'ai utilisé. Les terroristes viennent de contrôler Nyamilima et ils viennent de nous rassurer que non, ils vont exploiter le pétrole des villages de Lunyaseng. Nyamilima, c'est à Kivu. C'est dans la lac, dans le lac Kivu. Ok. Merci vraiment. Après les affrontements, nos frères et sœurs aujourd'hui, ils sont devenus comme des femmes. Les femmes, ils sont devenus comme les femmes de soi-disant M23. Mes chers frères, Congolais, partout là où vous êtes, nous devons se révolter contre ce régime. Parce que c'est un régime démentaire. Aujourd'hui, les mensonges et ténards pour diriger la République. Il ne faut que donc il nous faut que donc et ce que on appelle la démagogie politique. Où sont ces avions de chasse? Où sont la Russie? Où est la Russie? Et vous avez dit ici, oh Alenda Russie, Alenda Zambunduki, ziko wapi? Wa jinga jinga tu, inchi naenda, sisi tunakufa. Vous êtes allé même récupérer les militaires qui ne sont même pas capables de sécuriser leur pays, les Soudanais. Ils ont fait appel aux Ougandais. Mais vous les avez amenés ici, en RDC. Chambalabibi. Donc le Congo est devenu Chambalabibi. Savez-vous ce qui signifie Chambalabibi? Bilanga ya koko. Mbwanyo sokota kanakati. Congo zambwazoste. D'ailleurs, au lieu d'aller appeler les Soudanais, il vaut mieux d'appeler les Maïmaï. Parce qu'ils ont l'expérience que ces Soudanais-là, un gouvernement des incompétents, vous êtes au stage, vous êtes des stagiaires vraiment. J'appelle toute la population de ne pas donner la chance à ces régimes. Parce que c'est un régime de stagiaires. Tout le monde fait ça, on a tout éthique, à tout comme bien aussi, à part. Muna panda hivi mnatudanganya, muna shuka hivi mnatudanganya, mpaka wapi? Mes chers frères, les M23 viennent de confirmer qu'ils vont exploiter le pétrole. Alors Kinshasa, les alliés de ces M23, ils sont en train de nous dire que non, l'armée monte en puissance. Avec les ressources Miwe, donc ils ont mis comme porte-parole M. Patrick Muyaya. Merci, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Beaucoup de koufa, de Yolubaka déjà. Et ça, la voix de Kivu, la voix de Sambo, toujours au service du peuple. Congo, Congo, c'est un wapi. Intina koufa, va farcer, maïmbo de notre nom. Oui, à vous. 3, 2, 1, 0, action. Je suis venu demander au bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale d'arrêter leur bagarre inutile, d'arrêter leur théâtre inutile. Il y a d'autres urgences pour la République, notamment la sécurité à l'est de la RDC. Ma province du Kivu, ma ville de Goma, menacée maintenant. Il y a les rebelles qui sont en train de descendre sur ma ville d'origine, sur ma ville électorale. Alors ils doivent arrêter leur théâtre politique et s'occuper des urgences du pays. Le président de la République a promis de s'en occuper, ils doivent l'aider, les institutions doivent l'aider. Alors maintenant où je vous parle, je suis venu interpeller le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que j'ai attendu depuis le matin, qui ne sont pas là. Je sais qu'ils sont dans d'autres urgences, j'espère, mais moi les urgences sont la paix à l'Est. Et je suis venu demander à ce qu'on autorise aux sénateurs et aux députés du Kivu de sortir et de partir à Goma, poser des questions à tous ces rebelles, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que nous voulons exiger au gouvernement congolais de nous dire finalement quels sont les accords qu'on a toujours signés depuis 2000. Depuis 2000, on signe des accords avec des groupes armés, avec les rebelles. Mais la paix n'est jamais revenue. Pourtant, parmi ces rebelles, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2000. Parmi ces rebelles, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2005. Parmi eux, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2008. Mais même, les mêmes rébellions continuent. Depuis les RCD, puis le CNDP, aujourd'hui le M23 et beaucoup de groupes armés, on ne fait que signer des accords, mais la paix n'est jamais revenue. Quel genre d'accord on a signé entre nous et les pays voisins
Quels sont les accords qu'on a signés avec les rébellions? Et la paix n'est jamais revenue. Maintenant, nous sommes fatigués. Au nom de la population du Kivu, au nom de ma ville de Goma, je suis venu demander qu'on nous rende compte et qu'on nous le dise immédiatement. Nous sommes fatigués. Qui sont les complices? Si nous sommes infiltrés, qui sont les infiltrés? Est-ce que nous manquons des services pour identifier les infiltrés au sommet de l'État, dans l'armée, dans la police, dans les renseignements, dans l'administration? Est-ce que nous sommes aussi indignes que ça? J'ai dit pour la dernière fois, la population du Kivu, et celle de Goma en particulier, exige à ce que les députés descendent à Goma pour aller parler avec ces rebelles-là. Si le gouvernement va nous aider, que le gouvernement nous aide. Mais nous allons le faire comme révolutionnaires. Nous sommes fatigués. Il ça ne sert plus à rien de représenter des populations toujours massacrées, sans réponse du gouvernement et sans lumière par rapport aux accords que les pays signent avec les pays étrangers. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.